va pas te tomber, toi. C'est bon, tu tiens? Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va labourer le jardin. Et on va faire ça avec un Kubota motoculteur 6 chevaux. Ah, ça va labourer sec, hein. Autant te dire que ça, ça s'arrête pas. Il y a un arbre, il y a une souche, ça s'arrête pas. Aussi gros et puissant, ça, c'est un peu comme ma bite. Ça va être merveilleux. Allez, sur ce, je reprends ma bobillette. Alors, dis à tout de suite, ça va déménager. Boum, charrue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous avez compris qu'on allait labourer le jardin. On se retrouve dans le jardin. À tout de suite. Allez, c'est parti! Ça va swinguer. Je sais même pas si vous allez m'entendre. Parce que ça, ça fait un bordel incroyable. J'avais mis une petite caméra sur le côté, mais on va peut-être pas la voir. Ah mon Dieu! Putain! Ah la vache! Hop là, marche arrière. Ouh, ça rigote. Putain, c'est lourd comme machin. Au moins 100 kilos à déplacer d'un couillon. Et hop, on tourne ça. Allez, c'est parti. Oh la vache. Ça veut dire que, à mon avis, je serai pas tout le soir. Là, on va en chier. Oh la vache. Allez, vas-y, mon copain. Putain, elle est si dure que ça, la terre. Oh mon Dieu. Ah la vache! Allez, deux tours! Vous voyez les gars, vous voulez faire de la muscu? Pas besoin, achetez un motoculteur et un jardin. Allez, allez, c'est parti! C'est la première saignée qui était dure! J'ai mis une caméra sur le côté, vu comment elle bouge à mon avis, on va rien y voir! C'est une catastrophe! Ah la vache! Je regarde même pas la caméra tellement je suis concentré sur ce que je fais. On va préparer la terre pour cette année, pour ressemer des carottes, des patates. On va même pouvoir semer du melon. Et ça, je vous expliquerai comment on fait, parce que le melon, c'est pas juste tu mets la graine dedans. Il y a tout ça, un système pour le melon. Allez, troisième tour. Non, deuxième, je sais plus. Ah, je te dis, il faut l'avoir en main. C'est que la deuxième fois que je l'utilise, putain, et merde la charrue. Hop. Allez, bon bah c'est pas très droit mon affaire, la vache. Marche avant. Allez, on envoie. Petite pipe après l'effort là. Le soleil se couche, il se fait tard. Va falloir aller préparer le souper. Je crois que je continuerai demain. Ouais. Allez. On va manger. Eh ben nous l'a rendu le lendemain. Allez, c'est parti. J'adore le travail de la terre. Ça, c'est la première étape. Avant toute récolte. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tout ce temps passé à labourer
à élever des lapins, des poules, des cochons, à cultiver des légumes et à gaver des canards. Eh bien, vous savez, quand vos enfants rentrent de l'école le soir et qu'au moment d'aller à table, l'assiette de votre femme et de vos enfants sont pleines de toute la nourriture que vous avez récoltée à la sueur de votre front, et qu'au moment d'aller dormir, ils s'endorment paisiblement, le ventre plein. Alors vous comprenez que vos efforts n'ont pas été fournis pour rien, et que la sueur de votre front n'a pas coulé pour rien. Elle a coulé pour votre famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux retourner à une époque que je n'ai pas connue. C'est pour ça que je veux vivre à l'ancienne. Ah, marche arrière, faut faire gaffe parce que là... Ah oui, je vais vraiment pas droit du tout. Alors surtout quand vous labourez et que vous faites une marche arrière, avant de mettre les gaz à fond, vérifiez que vous avez bien enclenché la marche avant et pas la marche arrière. Sinon, ça vous emmène droit sous le motoculteur. Tiens, bah ça alors. Les jouets d'un gamin. Putain, je parle pas beaucoup parce que putain, c'est que j'en chie un peu quand même. Hein. Je vous le cache pas, la satire. Je garantis qu'après avoir fait ça, tu vas pas faire un footing. Allez, vas-y. Alors, on dit que je joue de la manette, là. Allez, reste deux tours. Ah, et ben voilà, on a fait le jardin. Impeccable bien. Bon, eh ben j'espère que cette vidéo t'aura plu, hein, j'espère que t'auras passé un bon moment avec moi dans mon jardin, à la bourrée. Il n'y aura plus qu'à passer le rotovator et on sera bon. Ah, en tout cas, je vais te dire que ça fait les bras, ça fait les jambes, ça fait tout ça. Ça c'est mieux qu'une séance de muscu, je te le dis. Bon bah si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre j'aime, comme d'habitude, à t'abonner, surtout à t'abonner, très important, abonnez-vous, parce qu'il y a plus de vues que d'abonnés, alors il faut vous abonner absolument pour voir la suite. Et puis surtout, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir les commentaires, je les lis, je réponds pas forcément à tout le monde, mais je les lis, et ça me fait plaisir, voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis bah, bonne soirée ou bonne journée. Allez, salut.